le zèbre, cheval sauvage rayé blanc et noir. Le zèbre est un mammifère herbivore proche du cheval, appartenant à la famille des équidés, dont font aussi partie le cheval et l'âne. Il en existe plusieurs espèces. Depuis 200 000 ans, il vit uniquement dans les savanes d'Afrique centrale et australe. Les zèbres ont des rayures noires et blanches. Tous les zèbres ont des rayures différentes, ils sont uniques, ce sont un peu l'équivalent de nos empreintes digitales. Ces rayures les protègent de certaines piqûres d'insectes, comme celle de la redoutable mouche tsetse. On pense qu'elles leur servent aussi à se camoufler et troubler la vue des prédateurs comme les lions. Leurs rayures noires et blanches sont aussi une protection efficace contre le soleil et la chaleur. Les zèbres albinos ont d'autres couleurs de rayures comme le gris et le blanc ou orange et blanc. C'est une maladie. Les zèbres albinos ne peuvent pas être vus de loin, car le blanc et le gris se ressemblent et c'est plus dur à distinguer. Les lions peuvent s'attaquer aux adultes, les jeunes poulains et les jeunes préadultes peuvent être la proie des hyènes, lycaons, guépards, léopards. Les prédateurs sont opportunistes et s'attaquent aux animaux vulnérables et donc plus rapides. Les individus malades, âgés, blessés, jeunes ou les femelles en gestation sont les proies idéales. Un zèbre en bonne condition physique a plusieurs moyens de défense contre ses prédateurs. Il possède une très bonne vue diurne, une ouïe excellente, un bon odorat et court très vite. En cas de danger, ils peuvent courir à 60 km par heure en moyenne et faire des pointes à 80 km par heure pour semer une lionne par exemple, et maintenir cette allure sur plusieurs centaines de mètres. Ils peuvent aussi tenir une vitesse inférieure, 40 km par heure, mais sur une plus longue distance. Pour se défendre, ils peuvent aussi mordre et d'un coup de sabot, briser la mâchoire d'une lionne. Leurs ruades peuvent être mortelles, celles-ci sont encore plus puissantes que celles d'un cheval. Leurs rayures provoquent aussi une sorte d'effet stroboscopique et rendent donc les animaux difficiles à repérer lorsqu'ils courent. Les zèbres vivent exclusivement en Afrique où trois espèces principales sont recensées. Le zèbre de Grévy, surnommé zèbre impérial, est le plus grand de tous les équidés sauvages. Il mesure de 2,5 à 3 mètres de longueur, de 1,30 à 1,60 mètres au garrot, jusqu'à 1,90 mètres de hauteur et pèse environ 400 kg. Le mammifère se distingue des autres espèces par la finesse des rayures qui parsèment l'ensemble de son corps à l'exception du ventre entièrement blanc. Il vit principalement en Éthiopie et au Kenya dont il fréquente les plaines semi-arides, les savanes et les brousses. Le zèbre de Burchell ou zèbre des plaines arbore de larges rayures qui se rejoignent sous le ventre en une ligne horizontale. Avec ses oreilles courtes et sa crinière dressée, il est celui dont la silhouette se rapproche le plus de celle du cheval. L'équidé mesure de 2,20 à 2,50 mètres de longueur et pèse jusqu'à 320 kg. On le trouve en Afrique de l'Est, depuis le sud du Soudan et de l'Éthiopie, jusqu'en Afrique du Sud orientale, dans la savane, les steppes, les forêts et les broussailles.
Le zèbre de montagne ou zèbre de Hartmann a le ventre blanc et se distingue par un schéma de rayures à mi-chemin entre celui du zèbre de Burchell à bande large et celui du zèbre de Grévy à bande fine. Mesurant de 2 à 2,20 mètres de longueur et pesant jusqu'à 200 kg, il ressemble davantage à un mulet avec sa tête massive et ses grandes oreilles. Son cœur, plus gros que celui de ses cousins, lui permet de vivre à des altitudes élevées, jusqu'à 2000 mètres, où l'oxygène se fait plus rare. L'animal se rencontre en zone montagneuse, sur les hauts plateaux et les terrains rocailleux d'Afrique du Sud, de Namibie et d'Angola. Les zèbres se reconnaissent facilement grâce à leurs bandes noires et blanches qui caractérisent leur pelage ras. On en compte 43 sur le zèbre de montagne, entre 25 et 30 chez celui de Burchell et 80 pour l'espèce de Grévy. Pourquoi ces équidés portent-ils des zébrures? Les scientifiques avancent 4 hypothèses principales. Les bandes constituent un camouflage ou perturbent la vision des prédateurs en créant un effet de flou lorsque le zèbre bouge. Elles tiennent éloignées les insectes et autres parasites externes qui préfèrent se poser sur les surfaces uniformes. Elle facilite la thermorégulation grâce au contraste entre les rayures noires qui attirent la chaleur et aux blanches qui renvoient la lumière. Elles servent à la reconnaissance des individus entre eux et jouent à ce titre un rôle social important. Dans tous les cas, les rayures agissent comme les empreintes digitales ou un ADN dont les caractéristiques rendent chaque zèbre unique. Le zèbre se nourrit essentiellement d'herbes, de plantes, de feuilles, de graminées, de jeunes pousses, d'écorces ou encore de bourgeons qu'il saisit avec ses incisives coupantes puis broie avec ses dents jugales. Pour assimiler la cellulose végétale de sa nourriture, son système digestif abrite des bactéries qui décomposent et font la synthèse de cette cellulose. L'équidé boit une fois par jour en saison sèche et vit de préférence à proximité d'un point d'eau. Le zèbre est un animal grégaire qui vit dans de petits groupes familiaux dirigés par un étalon avec plusieurs juments et des petits, de la naissance à l'âge de 2 ans. Les adultes restent ensemble souvent jusqu'à leur mort et aiment se toiletter entre eux afin de renforcer les liens. Le zèbre de Grévy se différencie par son comportement social. Il ne vit pas en harem et se lie peu de temps avec ses congénères. Il s'établit sur un territoire dont il interdit l'accès aux autres mâles, n'hésitant pas à se battre si nécessaire. Grâce à ses oreilles mobiles, le zèbre possède une ouïe très fine. Doté d'yeux à implantation latérale, il jouit d'une excellente vision qui lui permet de détecter rapidement une menace. Cet animal véloce peut courir jusqu'à 65 km par heure et se montrer très agressif. Sa principale arme de défense repose sur un coup de sabot puissant qui, infligé dans la tête, peut gravement blesser un animal voire le tuer. Les groupes de zèbres tendent à se rassembler afin de former de grands troupeaux qui migrent en compagnie des gnous et des antilopes pour renforcer leur protection face aux prédateurs.
L'entraide est souvent pratiquée par les équidés qui alertent leurs congénères d'un danger à l'aide d'un cri et peuvent encercler l'ennemi pour l'intimider. La saison de reproduction s'étend du printemps à l'été. À l'issue d'une année de gestation, la femelle donne naissance à un zébreau ou une zébrelle de couleur noire, les rayures apparaissent plus tard. En un quart d'heure, le nouveau-né parviendra à se lever et à suivre sa mère au bout de 2 heures. Durant les premiers jours, la jument garde sa progéniture à distance de tout autre congénère, y compris le père. Ce n'est que vers le 10e jour que le poulain peut faire connaissance avec les autres membres du troupeau. À 2 ans, âge de la puberté, le jeune mâle se joint à un groupe de célibataires, avant de tenter de fonder sa propre famille, vers l'âge de 4 ou 5 ans. Quant à la femelle, elle est choisie par un étalon dont elle intègre la cellule familiale. Cette séparation préserve les zèbres du phénomène de consanguinité. Cet équidé africain compte parmi les proies préférées des lions, des hyènes, des licaons, des guépards et des léopards. L'Union internationale pour la conservation de la nature, UICN, classe le zèbre de montagne en catégorie vulnérable, son cousin des plaines en presque menacé et le zèbre de grevilles en danger. La population de cette espèce s'est en effet considérablement réduite avec la perte progressive de son habitat naturel, urbanisation, surpâturage. Les zèbres peuvent vivre de 25 à 30 ans à l'état sauvage et 40 ans en captivité. Son cri, tout comme le cheval, le zèbre est nu. Cependant, le cas du zèbre de grevilles est un peu particulier, car ce dernier braie comme un âne. Merci d'avoir vu cette vidéo, à bientôt.